acceptera, monsieur. Merci beaucoup. Je m'appelle Marcel. Madame Deville. Et comment est-ce que vous appelez les gens? Marcel. 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 Madame Marcel. Je dis, je ne suis pas madame, mais des madames comme moi, il y en a beaucoup. Je dis, je suis juste là, monsieur. Et comment est-ce qu'on appelle les madames comme vous, justement? Ah, comment on appelle les madames comme vous? Oh, aïe, aïe, vous. Moi, j'en sais rien, moi, il y a au fond, n'est-ce pas, les pareils. Oui, oui, monsieur. Mais on appelle souvent les madames pipi. Pipi, mais je n'aime pas. Oh, c'est un mot que je n'aime pas. Pourquoi on me le dit encore bien, savez-vous. Oui. Madame pipi. Oh, je n'aime pas si tu me dis madame pipi. Parce que si tu ne m'avais pas, là, j'ai dit, il ferait propre ici, c'est pas vrai? Tout le monde sait pipi. Pourquoi dire madame pipi? Pourquoi vous dites ça? Moi, je le réponds, madame caca. Ben, c'est pourtant vrai, hein, ça, c'est pas beau, hein, ça, monsieur. Merci bien fait. Seulement l'argent, hein, monsieur, n'a pas d'odeur. Voilà, c'est ce que je dis. Mais je vous l'ai dit, hein, ma cousine, là, elle m'a téléphoné. Tu sais ce que tu fais, là? C'est dégradant ce que tu fais. Toi, tu as eu un commerce, toi, et tu viens faire ça. Elle n'était pas chez ça, là. Je m'en fous, mais elle a le pognon, elle. Moi, je n'en ai pas, pognon. Et alors, vous avez décidé de alors, venir ici? J'étais dans une pâtisserie, chez Beaupin, rue Saint-Dorgueul, là. Oui. Très bonne pâtisserie. On est venu me chercher pour venir ici. J'ai eu un coup de chance, monsieur. Et vous avez accepté tout de suite? J'ai accepté tout de suite. Je suis venu voir pour commencer. C'était un monsieur, il était ici. Ça ne se fait pas, monsieur, dans les toilettes. Ah, pourquoi? Ah, parce que c'est pas propre. Ah, le monsieur, ça ne se fait pas, ça, dans les toilettes, le monsieur. Et c'est comme ça, le bureau n'a plus voulu ça. Et on est venu me demander si je voulais venir voir, là, si je voulais la place. Je suis venu voir et j'ai accepté tout de suite, mon monsieur. Et vous aimez bien ce que vous faites, là? Ah, j'aime bien ce que je fais, parce que je gagne ma vie. J'ai jamais gagné tant d'argent, moi, qui sais. On peut savoir combien vous gagnez? Ah non, ça! Pourquoi? Ça, c'est personnel! Oh, là, personnel! Merci, monsieur. Il y en a un. Il ne peut plus, lui, il dit qu'il ne peut plus venir. Et je me demandais toujours ce qu'il faisait dans lui, ici. Mais il est sauvé, il ne veut pas me payer. Je dis, tu me payeras, c'est parce que l'autre, tu ne rentreras plus. Je vais voir si, là, si le huissier est propre. Il y avait des sales chaussettes là derrière le huissier. Et sans doute, il vient changer les chaussettes. Et pour moi, il va les voler. Des chaussettes blanches comme on va maintenant. Là. Je les prends bien vite, je les prends comme ça. Et je vais les lui jeter dans sa figure. Il était encore là. Il m'a craché dans la figure, monsieur. Merci, merci beaucoup. Mais on l'a fait rire avec le sida. Oh, avec le sida, monsieur. Ça n'existe pas, ça. Pas mm-hmm. Ça existe. Mais c'est en Amérique. On dit que c'est beaucoup, il y a des noirs, hein, tout ça qui ont apporté, ça ne pêche pas en vrai, ça. Et il y en a qui disent que c'est les homosexuels. Je dis, là, mais c'est avec cela. Est-ce que c'est ça? On dit, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est les homosexuels, mais pourquoi? Il y en a toujours eu. Et pourquoi c'est maintenant il y a le sida? En tout cas, moi, je mets beaucoup de javel. J'ai toujours un gros peu de javel, moi. Mais je vais en mettre. Ça désinfecte, un javel. Oui. Oh, je vais en mettre beaucoup, moi, pour. Nous mettons même des pierres là, qui sortent, là, qui désinfectent là dans le... Oui, c'est propre, ça, vraiment. Oh, oui. Parce qu'on m'a jamais félicité. Il y a des hommes qui me le disent. Et il y en a qui se piquent ici. Combien de fois je le trouve derrière chez les hommes, hein, monsieur. Je trouve des seringues, là. La police vient souvent ici. Ah oui. Ah, la police, madame, est-ce que nous pouvons visiter le... Oh oui, n'est-ce pas? Allez voir. Allez voir, hein. Et je leur ai aidé. Ah, ils disent que quand j'en trouve, mais moi je jette les seringues dans les poubelles, moi. Hein. Alors ils m'ont dit que le bureau m'a dit qu'on le donnait aux policiers. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui se droguent, justement? Ah, je me demande ce que c'est, moi, ça, monsieur. Qu'est-ce que c'est qui ressort? Quoi? Allez. Du plaisir? Ils se plaisent bien, ils sont dans un autre monde, ça. Je ne sais pas, moi, on m'a dit ça, moi. J'ai donné à quelqu'un, mais qu'est-ce que c'est qu'ils ont? Ils sont plus à eux, ils sont plus sur la terre, ça. Ils sont plus sur la terre, ces gens-là. Merci, monsieur. Oui, j'aurais bien voulu chanter, comme Mireille Mathieu. Alors, j'ai appris à chanter quand j'étais jeune.
par instinct, que quand j'étais jeune, j'en sens, j'avais un peu d'être, j'avais des traits de reine nature. C'est vrai. Il y a encore des photos chez mon frère, donc, qui l'a remis, parce que maintenant, on n'a plus de photos. Alors, chez mon dard, là, on mise tout au grenier. Je lui ai dit, va te voir la photo là, tu sais, en grand, là, ma communion, le gars, mon frère. Hein. Tu vas voir, c'est tout à fait Mireille Mathieu. J'irai voir, il me dit. Et c'est vrai, savez-vous, quand je la vois sur le lard, je l'aime bien. Ah, c'est mon idole, hein, monsieur. Elle chante bien, hein, monsieur. Elle chante très bien, hein, oui. Oui, bien, oui. Hein. Mais c'est tout. Il faut voir ça quand j'étais jeune. Et vous chantez aussi bien qu'elle, hein? Je ne dis pas que je chante aussi bien, mais j'ai appris. J'ai appris, mais je ne vais pas continuer. Merci, merci beaucoup. Gérard, c'est un empire. Mais c'est en wallon, moi, que je chante, oui, hein. Oui. Vous comprenez peut-être pas. Si, si, moitié. Vous comprenez bien, moi. Ah, oui. Et aussi, il y a le même caractère dans ses gosses, ses manières et ses mères. Aussi, j'aime tout sous clembert. Les colons, les coques, les veilles. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et pas alors, je m'en allais. Le courrier, l'itérique, mais le rayon. Un papa torillon, distoyait au costé. Mais fait estomac, allez moquer. Avez-vous compris? Merci bien. Mais Rayon Mathieu, ça se nomme là. Malheureux. Hervé Villard. Oh, j'aime bien tous ces artistes-là, moi. Oui, oui, oui. Il y a encore un nouveau maintenant, monsieur. Il va percer à celui-là. Parotti. Oh, il y a que la chantilly, dimanche. Oh, mais c'était beau, là, j'étais beau. Merci, ce jeune-là. La haie, vous aussi. Vous connaissez la haie, oui. Chantilly, tout celui-là. Oh, oui. Puis j'aime Manson, j'aime bien aussi. Tous ces artistes-là, j'aime bien. C'est surtout des Français, là. Ah, oh, moi, j'adore les Français. Ah, oh, moi, je trouve qu'il y a... C'est des Français qui prennent pour les chansons. C'est pas vrai? Merci, Paye. Merci. C'est des habitués, moi, je pense. Vous voyez, elle n'a pas besoin de rien dire. Hein. Mais voilà, ça, c'est honnête, ça. Mais il y en a qui profiteraient pour passer par pays. Il y en a des pareils, non, mais pas encore vieux. Qu'est-ce que vous faites, alors? Oh, ben, je ne saurais rien dire maintenant, mais je vais là. J'avais oublié de payer. Ah, c'est ça. J'en ai encore eu deux hier. Cette fois, ah, mais elle me payera pour le place que je me dis. Ah. Je dirais que je suis récompensé. Quand celui qui suit me donne 10 francs. Vous diriez que je suis récompensé. C'est pas peu cher, ça, justement. Oh, si, c'est cher. C'est cher. Moi, je trouve aussi. 7 francs, moi, je trouve déjà que c'est cher. C'était 6 francs. Moi, j'avais dit à la dame, laissons 6 francs. C'est cher, c'est vrai, hein, monsieur. Même 5 francs, hein. Faire un petit pipi, hein? C'est vrai, monsieur.